Salut, c'est Piment de The Geeks Files. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo test, petite vidéo test, hein, parce qu'il ne durera pas très longtemps, sur un jeu Master System, un très 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 bon jeu, un des meilleurs que beaucoup de monde, j'espère, connaissent. C'est ni plus ni moins que Tom et Jerry sur Sega Master System, de toute façon, c'est dans le titre. Donc, un excellent jeu qui a la particularité, c'est d'être extrêmement dur. Mais à la fois facile, et peut-être très facile. Voilà. Et l'autre défaut du jeu, il est très court, à plus de 5 niveaux, malheureusement. Bon, bref, sans plus attendre, je lance l'enregistrement. Cette salope à vous tente des pièges et vous devrez les éviter, bien entendu, vous allez comprendre. Là par contre du cours après elle met le timing, il faut que je saute dessus. Vous allez voir qu'il y a des phases de forme un peu Prince of Persia à risque. Par exemple là, il faut que je saute le truc, que je saute là, que je saute là. Alors là il faut faire attention parce qu'il y a des plateformes qui s'écroulent, évidemment je tombe dessus, là, bien sûr épique. J'aime bien l'animation. Évidemment, on le reprend. Oh putain, ça y est. C'était pas mon heure aujourd'hui pour tester ce jeu. Alors normalement on peut l'attraper avant la fin, parce qu'à la fin elle se laisse attraper en fait. Il y a la possibilité de la niquer juste un peu vers la fin. Et on peut voir en fait de la rangée gauche, c'est mon énergie. Donc plus que deux coups je perds. Sachant que quand vous courez et que vous prenez un mur, vous perdez l'énergie. De façon normale. Je sais pas si je marche doucement comme ça. Non, je voulais essayer puisque c'est ce qu'elle faisait, de marcher doucement pour éviter les dégâts sur les pics. Mais je n'ai pas réussi. Allez, allez, allez. Oh, ça doit être une mine en dessous. Je déconne, oh là là, ouais, c'est du cul qui vont aller. Niveau graphisme, c'est super, les animations sont super bien décortiquées. De toute façon, oh non, je voulais pas tomber, pitié, c'est du vide. Qui dit vide, dit mort instantanée. Pour courir, le C pour sauter. Évidemment, je saute la bombe. Et voilà, là vous allez voir, je suis là, chopé, et bien comme il faut, cette pute. Ouais, je ne pourrais pas avoir peur de faire de prendre des dégâts en fait. Oh merde. Oh, je me suis bloqué, je pouvais pas tout montrer.
merci peut-être. Mais si moi tu mords. Oui, je l'ai eu en plein vol, plaf, les oreilles là. Je l'ai chopé par les oreilles, je l'ai eu. Voilà. J'ai fini le niveau un petit peu plus tôt. Du moins, je voulais laisser découvrir mon niveau 2. Alors là aussi, une possibilité. Dans tous les niveaux, il y a une petite possibilité de le faire. Si je me rate, ça me tuera. C'est un coup de poker. Et c'est pas très loin, c'est juste après là. On peut voir qu'il y a marqué Sega sur le mur. Là, le tout, c'est de ne pas l'énerver. Et là, voilà. Ils auraient pas mis cette plateforme qui s'effondre, ben, ils auraient pu zapper ça. Alors je sais pas si c'est volontaire ou si c'est, on se sert de quelques problèmes. Dans la sens où quand elle monte un mur, elle est plus lente. On peut imaginer qu'on se sert de ceci pour avoir cette saleté. Allez, je suis encore celui-là et c'est bon. Je veux pas vous donner la fin du jeu. C'est un bon jeu quand même, c'est dommage. Tease dommage. Tease very very dommage. J'aurais été un tout petit peu plus long. Et avec des commandes qui reprennent plus instinctives, ça aurait été mieux, plus rapide. Voilà, regardez, là par exemple, là j'ai appuyé sur le bouton pour sauter, vous allez voir combien de temps ça agit pour sauter. Donc voilà, une demi-seconde. Là, par exemple, si je veux sauter. Je trompe le bouton, ça compte pas. Là, pardon, sauter. Ah, je me suis trompé le bouton encore. Quoi que j'aurais pu l'avoir là, en fait, puisqu'elle m'attendait. Je vais réessayer, tiens. Essayer de la faire jouer au con, en fait. Comme ça le matin. Et comme dernier moment, je la marre. Par contre, à contrario de Prince of Persia, pour les mouvements dont je parle, qui sont. Je comprends qu'elle avait des trucs, ça fait penser clairement à Prince of Persia. La chose qui ne s'en rapproche pas, c'est qu'on peut pas. Je serais allé plus vite, j'aurais pu l'avoir. Oh non, non, c'était vraiment ça fatal. Ah non, elle n'a pas été sympa, elle a été sympa, elle m'a attendu. Merde, quel con. Disparu de l'écran.
ça pour l'attraper. Voilà. Prends-la et enfonce-la sur les pics, là. Cette saleté, là, qui s'est niqué tout le monde, là. Allez. La montagne à montagne. Je me suis trompé de bouton. Je voulais clairement marcher, sauter. Je crois qu'il y a possibilité de la choper. Il faut courir parce que l'eau, si vous marchez, ça vous ralentit. Ça c'est pute. Et là, elle monte toute seule, les perles. Non ! Je suis tombé dans le vide. Non, putain. Quand tu te trompes de bouton. Des pétards bénis. Ah, oh, mais comment t'es censé t'échapper de ça? Attention aux éboulis de roche. Comment je fais là? Allez, pitié, pitié, attends-moi. Dur ce jeu. Après je me couche, on fatigue quand même pas 4h du matin. Une bonne dizaine de vidéos que j'enchaîne. J'arrive pas à sauter. C'est dingue. Ça, je dois finir le jeu, quoi, sérieux. Et là, il a possibilité de la niquer. Non, je me suis trompé. Pitié, attends-moi. Non, pitié, pitié.
Du coup, on marche sur les pics, hein, pas de problème. Chaque fois, c'est la fatigue, ça, je pense. Quoi? Au travers du mur, quoi. Et sans pitié, là. Aïe, alors. Thierry le sait. Je marche tout seul. Non, je l'ai eu. Je te rêve. Par contre, comment Thierry peut marcher sur les murs? Par contre, passer cette zone, franchement. Allez, dernière vie pour choper ce trapnier. Non. Oh putain, ça pute à gagner. J'ai perdu. Bon bref. Voilà, j'espère que cette petite vidéo courte de gameplay sur Tom et Jerry The Movie vous aura plu. Moi, je vous conseille de l'acheter quand même. Il est mignon. Alors, il est beaucoup plus dur que ce que l'on pense. Mais je vous conseille quand même de l'acheter. Bon bref. Je coupe l'enregistrement.